Bien souvent, les coquilles des Saint-Jacques sont destinées à l'enfouissement. Le BTP et plus particulièrement la voirie vont leur offrir une seconde vie. C'est une école d'ingénieurs de Normandie, le SITC, qui en a eu l'idée. En la concassant, elle peut intégrer des produits préfabriqués à base de béton. C'est un matériau qui est intéressant, notamment par rapport effectivement donc à la résistance du pavé, puisque quand on fait un pavé, il y a une certaine résistance à avoir pour le trafic, hein, c'est-à-dire la circulation des véhicules. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple de la coquille de moule, quand vous avez une coquille Saint-Jacques dans votre assiette ou une coquille de moule, vous voyez bien que la coquille de moule est beaucoup plus friable que la coquille Saint-Jacques. Une coquille de nos côtes, un brevet normand, un fabricant picard et un client huimerosien. Mélangez le tout et vous obtenez donc les premiers pavés en béton coquillage. Alvéolés, poreux, filtrants, ils se fabriquent avec moins de granulats et moins de sable. Nous, ça nous fait une économie de matière et en plus le béton tel qu'il a été conçu a cette particularité d'être drainant. Donc une fois qu'il va être mis en place, l'eau qui va tomber dessus va s'écouler à travers le pavé et retourner à la nature sans autre procédé. Au début, j'étais un peu inquiet, ils étaient partis sur du noir. Bon, c'est vrai que c'est à la mode, mais... Ce n'est pas la mode voulue non plus à Huimereux pour le réaménagement de l'avenue Foch et de sa place. À l'aide notamment de ces pavés qui couvriront dans un premier temps 1600 mètres carrés, la commune cherche à renforcer une identité esthétique forte. Huimereux, c'est une ville qui a été construite sur des dunes. Et avec notre architecte conseil, M. Saint-Yves, on a réfléchi à avoir un ensemble, nos trottoirs, nos parkings, rappeler cette couleur, un peu de dune, un peu de sable. Et là, on a vraiment la couleur, quand les voies qui sortent là, du lavage, c'est exactement la couleur qu'on voulait. C'est vraiment sympathique, quoi. Un choix qui, sur le papier, a un coût, 25 euros de plus au mètre carré qu'un pavé classique, justifié, selon les élus huimereusiens, par les gains en matière de développement durable.